Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Angers contre Reims. C'est un match qui a lieu ce dimanche 29 septembre 2024 à 17h pour le compte de la sixième journée du championnat de France de football de Ligue 1, saison 2024-2025. Alors Angers, c'est le 18ème du classement qui reçoit Reims le 6ème. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison euh, par ces deux équipes et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Donc, au classement, Angers est dernier, 18ème et dernier, avec seulement 2 points en 5 matchs, aucune victoire de nul, 3 défaites, 3 buts marqués, 9 buts encaissés, moins 6 de différence de but. C'est un début de saison très très compliqué pour Angers, mais qui n'est qu'à 2 points des premiers non relégables. Reims de son côté est 6ème avec 8 points en 5 matchs, 2 victoires de nuls, 1 seule défaite, 7 buts marqués, 7 buts encaissés, 0 de différence de but. Reims est plutôt bien classé dans le haut du classement. Les buteurs pour Angers, on a Dieng et Abdeli qui ont marqué un but. Et pour Reims, on a Akemé, Diakite, Fofana, Ito, Munetsi qui ont marqué un but. Pour les meilleurs passeurs, pour Angers, Anna, une passe. Et pour Reims, Ito, deux passes décisives. Buta, Fofana et Sangui avec une passe décisive. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison. Angers, c'est très compliqué, 9 matchs joués, seulement une victoire. C'était le tout premier match en match amical. deux nuls, 6 défaites, 8 buts marqués, 17 buts encaissés, moins 9 de différence de but. Ils ont quand même enchaîné 6 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils viennent de faire 2 matchs nuls de suite. Alors, est-ce que c'est un début où ça va un peu mieux En tout cas, il y a eu un match nul à l'extérieur et un match nul un partout à domicile, donc il y a du mieux. Reims de son côté, 12 matchs joués cette saison, 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 14 encaissés, plus 4 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 4 derniers matchs, dont le dernier match où ils ont été les premiers à empêcher le pari de gagner un match, puisqu'ils ont fait un but partout chez eux, ils ont même mené un 0 longtemps. Euh, c'est quand même une très bonne performance. Après, on va enchaîner 2 victoires de suite. Reims marche plutôt pas mal en ce moment. Alors, Angers à domicile, bon, bah, c'est 2 défaites, contre Lens, 1-0, contre Nice, 4-1, et puis un match nul contre Nantes. Ça va un peu mieux. Reims à l'extérieur, alterne le bon et le moins bon. Victoire, nulle défaite. On va opter juste pour les matchs de championnat. Ils ont quand même fait un très très bon 2-2 à Marseille et une victoire 2-1 à Nantes. Reims, c'est très costaud. Et bah, je les verrais bien gagner, les amis, à Angers. Je verrais bien une victoire 1-0 ou 2-1 de Reims à Angers. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Angers, on aurait du 4-2-3 avec Gardien, Fofana, Défense, Arcus, Bumla, Lefort, Anin, Mieux de terrain défensif, Aoulou, Belkebla, milieu offensif et ailier Alevina, El Elmelali et attaquant Dieng. Et pour Reims, on aurait du 4-3-3 avec Gardien, Diouf, Défense, Buta, Agbadou, Kipré, prêt, Mieux de terrain, Munetsi, Atangana... Tema ou Fofana et attaquant Ito, Diakite et Nakamura. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 septembre 2024 à 17h pour le match de la sixième journée du championnat de France de football de Ligue 1, saison 2024-2025. Angers le 18e et dernier du classement reçoit Reims le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo